Alors, hop. Ah. Oh bah dis donc, on est bien. On est très bien installé. Oula, on est bien encapsulé là, c'est génial. On est très très bien installé. Ah ouais, il y a des fauteuils un peu baquets là. Sans fatigue. Ah ouais. Même derrière, les gens. Les gens derrière sont souvent. C'est un fauteuil, c'est un canapé. Hein, donc c'est un canapé. Bah écoute, je vais faire un test après parce que moi je mesure. Assez grand, donc ça devrait. Je mesure 1m88, on va faire un test, je vais me positionner là devant et puis je vais essayer d'aller derrière. On va essayer. Mais elle me bluffe cette voiture en termes de taille. Extérieurement, on n'a pas l'impression. Non, on n'a pas l'impression. Mais comme elle est faite sur la base de la berline d'une année 56, on a quand même pas mal d'espace. Ah ouais, tout à fait. Alors Hervé, qu'est-ce qu'on a là dans ce tableau de bord? Il y a des belles formes, dis donc, il y a une belle qualité là. Parce qu'il y a toujours des maniaques du plastique moussé. Du plastique moussé. Il y en a quelques-uns, mais, non, mais là, la globalité, on a des plastiques assez durs. Bah dis donc, ouais, c'est plastique mou, c'est pas mal. C'est pas mal fait. Bah dis donc, c'est très bien fini même. C'est plutôt très bien fini. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ici, c'est l'écran d'origine ça? Non. Moi je l'ai acheté, il était comme ça. Ouais. Mais à l'origine, il y avait un porte-gobelet et un autoradio. Un autoradio classique, mais la personne qui l'avait avant avait mis... c'est une télé là? C'est un GPS. C'est un GPS? Avec Bluetooth, etc. Donc ça permet d'écouter directement avec le téléphone. C'est juste pour voir un peu... Ah oui, et puis carrément siglé Alpha. Mais c'était un truc d'origine Alpha? Non, en fait on peut changer les logos, je pense. Oh, on peut mettre le logo qu'on veut. C'est génial ça. Donc c'est les autoradios double DIN, je crois qu'on appelle ça. Ah ouais. Donc là on a le... Oui. Ah, GPS. T'as le GPS. Ah, ils vendaient ça en seconde monte, c'est vraiment pas mal. Hein. Je sais pas ce qu'ils mettaient d'origine à l'époque en termes de GPS, je sais même pas s'il y en avait beaucoup. Il y avait un GPS Alpha, qui était d'origine sur ces modèles-là. Mmh. Mais bon, il y avait un écran beaucoup plus petit. Ouais, non mais là, ça s'intègre super bien, c'est bien foutu, là. Et tu t'en sers, toi? Ah oui, je m'en sers, oui, bien sûr. Ouais. Donc là, t'as ton pavé de climatisation ici. C'est la clim, oui. Là, c'est siglé GT, tu peux, dans ton petit cendrier. Alors, c'est cette boîte-là. Ça, c'est intéressant. C'est la boîte robotisée. Boîte robotisée. Pour monter, on pousse, et pour descendre, moins. Et alors, toi, tu conduis comment? Tu conduis en manuel Je passe les vitesses au. Parce que tu as aussi les palettes au volant, là. Voilà. Alors, on utilise les palettes, ou on utilise le levier. D'accord. En fait, moi, je touche jamais au levier. T'es plutôt palette. Ouais, t'as l'habitude maintenant. Oui. Et puis, en fait, on garde les mains sur le volant. C'est très pratique. Ouais. Donc, après, il y a le mode City. Le mode City, c'est pour la ville. C'est pour la ville, ça passe entre guillemets en automatique. Hein. Ah oui. C'est elle qui se débrouille, elle passe les vitesses. D'accord. Ok. Et t'as même la coudoir là? On a un coudoir avec un vide-poche. Ah oui. Voilà. Un coudoir sympa. On a les trois compteurs, les trois cylindres, et ça, c'est toujours repris hein, chez Alpha, ça. Alors, sur les dernières versions de la GT, on a pu ces espèces de tuyaux. En fait. Ah oui. Ils ont enlevé. Ah, ils les avaient enlevés sur la toute dernière version. Ça gênait. Ah bon, t'es gêné, toi? Non, du tout. Moi, je préfère comme ça, d'ailleurs. Ouais. Ça fait un peu plus sport. Ça fait sport, ça fait un peu moto, je sais pas. Non, mais j'aime autant comme ça, personnellement. Il y a les kilomètres-heure à gauche, essence. À gauche. Essence, voilà, le benzina. Ouais. Et c'est quoi, le petit compteur à droite, là? Là, c'est la température. Température d'eau, d'accord, et puis les contours. Et puis le contour. Voilà, c'est classique. Mais bon. Voilà, donc on a aussi la vitesse sur laquelle on se trouve. Donc on est en neutre. Ah oui, pour voir ton sélecteur, effectivement. Voilà. Ok. Et à l'arrière, effectivement, ce côté bluffant. Je vais faire ce test, Hervé, je vais m'insérer à l'arrière. Par contre, je vais avancer un peu mon fauteuil parce que là, c'est pas réglo. Si j'ai quand même de la place, là, tu vois, je peux me mettre jusque là, je suis bien. Voilà, là, je suis bien à l'avant. Et maintenant, je vais tester à l'arrière pour voir. Pour bien me rendre compte. C'est vrai que pour sortir, il faut... Non, mais... Attends. Alors là, je vais devoir... Allez, c'est les fesses d'abord, et on se rentre. Hop, voilà. Ah ouais. Ah, mais écoute, c'est bluffant. Je suis bluffé. Alors la tête, non mais, je suis un peu grand. C'est vrai que le toit, il est très incurvé, hein, pour garder la ligne de la voiture. Mais je suis bluffé de l'espace intérieur, là. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait de la place. C'est ça qui est fou. Et le cuir est de bonne qualité, hein? On m'a toujours dit sur les Alphas qu'en général les cuirs étaient très bons. Oui.
Ah ouais, j'aurais pas eu cette image, moi, tu vois, naturellement. Je me serais dit, voilà, bah, c'est une mauvaise image des voitures italiennes, bah, qui, ouais, et à mon avis, pourtant. pas justifiée, enfin peut-être à une époque, Ouais. où effectivement ça rouillait, il y avait des problèmes électriques, etc. Ouais. Aujourd'hui, non, c'est des voitures, c'est des belles voitures. Hein. Bah, c'est des belles voitures. La tienne a 10 ans et le cuir, moi, je suis surpris de la qualité du cuir parce qu'on voit, il n'est pas du tout abîmé ou plissé. Ou... Belle qualité. Alors, mettons en route et partons faire un tour.